Bonjour VOD, c'est la nuit. J'en veux dernier sur Valheim avec Royal et Macabane et vous voyez pas. Oh mince, j'ai pas mis l'overlay Discord, je vais mettre ça tout de suite. Excusez-moi. Excusez-moi, je crois que je l'ai. Ici. Là. Oh, ça c'est l'overlay. Hop, je le mets là. Voilà. Ah, c'est ça le problème. Oui, c'est moi l'overlay, oui. On est en découverte. Enfin, en tout cas, moi et Macabane. Et Royal, il connaît un peu. Voilà. Cucu la VOD, on vous dit dans le chat. Ouais, j'ai pas mis le chat, vous voulez que je mette le chat? Oh non, c'est bon. Non, comme ça, je pourrais mentir sur ce que vous dites, le chat. Un être. Oh, je le bastonne. J'ai froid. Bah, mets un pull. Ah ouais. C'est pas très grave, ça empêche ta régénération. C'est pas très très grave. Non, mais le être, je lui mets des coups de poing, mais ça marche pas, hein. Attendez. Je le bastonne. Alors tu fais quoi le être? Alors comme ça on est à être? Ah quoi le être? Ah le être! Il en a perdu sa résine. Ah ouais, sachez la VOD que j'ai bastonné un cerf à main nue. Je l'ai eu. Voilà, et ça c'est vrai. La VOD... Oui c'est exactement, tiens merci Nico. La VOD, connaissez-vous Twitch Prime? Déjà connaissez-vous Twitch? Ensuite Prime. Oh qu'est-ce que c'est? Oh j'ai un bout de maison. Oh, je vais m'installer ici. Explore et faudra. Ouais, mais il fait nuit. Attendez, il y a un souci, c'est que moi je sais pas comment avoir des bouts de bois. Bah tu tapes des bois. Des bois. Toi les tout petits êtres à la con là. Pas les énormes, tu vas pas te taper un énorme sapin là, bordel. Mais les tout petits là, tu les débois. Ah c'est le jour. Le jour les potes. J'ai tué un lézard. Ça a l'air incroyable. J'ai une queue de Nyx. Nyx ta mère. Ah d'accord. J'ai voulu faire le jeu de mots, mais du coup j'ai dit la vraie insulte alors c'est nul. Oh putain, Serge le bastonne. Non. Attendez, je suis pas dans le jeu, attendez. Et un sanglier, ça se bastonne aussi ça. Non mais le Serge, je sens qu'il est plus Ah, quoi que le... Attends, le sanglier il est là. Hein. Oh putain, il se défend le sanglier. Oh la vache. Oh, c'est toute ma vie qui est descendue comme ça. Oh, j'ai 8 PV. Oh le sanglier, il m'a marave. Ah, il m'a victime. Peut-être te fabriquer un bâton. Ah ouais, mais il fait nuit, je pouvais pas fabriquer, j'avais pas de lumière. Mais, mais non, tu fais comment? Ah, le sanglier. Oh, c'est à côté du spawn. Non, ce n'est absolument pas grave. Oh, le sanglier. Mais arrête. Arrête! Oh non, il y a un truc avec des yeux jaunes! Prends ta torche et pète-lui la gueule. Appuie sur 1, prends ta torche. J'ai plus de torche! Il a fait nuit pendant 2 ans. J'ai plus de torche. Oh, le sanglier! Le cerf, bastonne le sanglier! Je vais rentrer. Je vais rentrer dans la maison. Je pense que je suis tranquille là. Les sangliers sont. Ils peuvent pas rentrer dans les maisons. Ah, il est rentré! Oh, j'ai explosé! C'est pas grave, t'es juste à côté. Pour récupérer tes effets, il suffit juste d'aller sur le pastel. J'ai explosé. Bon. Non, mais regardez là, y'a lui là! Ah! Arrête! Mais pourquoi il court les bras en avant comme ça? C'est quoi ça? Bourgeon d'un gris. Ah! Mais ils sont au spawn les bourgeons d'un gris. Ouais, bah si, parce que je vais remourir. Moi, je mens aussi, très bien. Ouais mais bon. Ouais, sympa, hein. Pas trop, je... Au bout d'un moment c'est une boucle qui ne s'arrête jamais quoi. Ouais, si. J'ai été dans une forêt noire quoi. Ah, ça c'est un bon dessert. T'en as trouvé une? Alors pourquoi il faut des forêts noires? Ça tu m'as dit c'est bien, mais pourquoi? Parce que comme ça on fait le camp de base à côté de la forêt noire, parce que la forêt noire en gros c'est le deuxième niveau. Donc si on fait une base au moins comme ça on peut la faire... À côté de la forêt noire c'est super dangereux. Mais je me fais taper aussi. Mais si je vais pour ici. Se défendre, il faut que tu tapes des trucs comme
Non mais en fait je peux pas parce que je suis poursuivie depuis le spawn en permanence. Donc je peux jamais me poser quelque part pour me faire un truc. Du coup il me tue, du coup je meurs, je veux récupérer mon cadavre et hop je spawn quoi, il y a encore des mobs. En fait faut comprendre que je peux pas. J'arrive. Mais ta gueule le piaf là, j'ai des problèmes. Royal il est plus proche, il va venir te sauver. Non mais il tue. Fait des alertes. Non, c'est que je ne vois pas, du coup je m'éloigne. Bah il me poursuit en fait. Toi tu le vois pas, mais moi je le vois hein. Bah tu vas vers le spawn. Bah oui, quitte à mourir, autant mourir près du spawn. Non. Je vais peut-être pas m'éloigner à l'autre bout de la forêt, tu vois, genre ça ne semble pas être une copée quoi. Et du coup tu vas être au bout ou tu me regardes? Ah bah je fais que ça hein, c'est mon enduit qui a été réduit de... qui a été réduit 1000 fois. Et ce qui est bien c'est que quand je cours vers d'autres mobs du coup. Oh bah lui t'inquiète pas qu'il s'en fout hein. Bon qu'est-ce qu'il y a de piaf? Vous allez réapparaître à votre point d'apparition actuel hein. Ah si vous... Vous êtes mort. Vous n'en avez pas défini un, vous réapparaissez au point de départ. Lorsque vous mourrez, vos possessions sont stockées dans une pierre tombale au moment de votre mort. Un crâne sur la carte marque l'emplacement de votre dernière mort, ok. C'est moins solennel que ce que je pensais, la manière dont le Korbach parle. J'ai baissé la musique de fou. Mais ça n'a rien changé. Hop là. Voilà. Là, je pense que les sons sont mieux, là. Ouais, là, c'est bien, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qu'on fout? Maintenant, il faut que je puisse enfin me crafter quelque chose. Je vais me créer un bâton. Eh ben, le corbeau, il a dit, c'est sur la carte, il faut voir les crânes. Yes. Quand tu meurs, t'es en course fantôme, donc tu peux courir beaucoup plus vite, longtemps. Oh. Quoi, le corbeau, il me saoule. Enchanté. Ceci est l'écran d'inventaire de la création. Oh, ouais, tu me gonfles. Hein. C'est un de me donner un conseil sur le truc que je viens de faire. Donc conseiller avant, corbeau. C'est rigolo, c'est ce que tu disais. Bah oui. Il te décrit comment faire un truc une fois que tu l'as fait. Le corbeau qui dit, vous êtes mort. Ah bon? Non, déconnez, connard. J'avais pas remarqué. Oh, un dolmen. Bon, on se met où? Là, ici, c'est beau, hein. Oh non! Oh, le nain gris, je l'ai dit. Alors ça, il me poursuit depuis 2 ans, là. Waouh, je l'ai éclaté. Oh, le bâton, c'est bien. Le bâton, c'est puissant. Ouais, faut se mettre au bord de la flotte. Et mon bâton, tiens, je peux le combiner avec une pierre pour faire un gros bâton. Et après, je le combine avec une autre arme. Ouais, c'est ça. Waouh. Oh, il y a des poissons! Oh, il a sauté tellement haut! Est-ce que ça se tue au gourdin les poissons? Je vais essayer. Oh, il me fuit les poissons. Trop des flippettes. Eh ben, champi! Sur la carte là où je suis, ça me paraît très très fort. C'est chiant, les miniatures sont pas différentes en fonction de qui. Là c'est ma cabane. Et là c'est Royal. Oh, Royal, t'es trop loin! Moi là où je suis, c'est plus beau hein. Non, non, c'est vrai que c'est beau. Regardez le chat, imagine on s'installe là. Oh, c'est quoi là-bas? Oh, les poissons, mais c'est des vrais dauphins. Ils font des sauts au loin dans la forêt. Ah, t'as vu ma cabane? Regarde les poissons. Des fois, ils font des sauts. Attends, regarde. Et des fois, il y en a, ils nagent dans les roseaux. C'est vrai? Bon. Ah, bon, du coup, on peut les maraves. Regarde, les oiseaux. Et ici, bah, du coup, on est pas trop loin de la forêt. Bon bah on va te rejoindre. Eh franchement ça donne envie de faire un petit pipi dans l'eau ici là. Hop. Après il y a une petite cabane pour Axe ici là. On pourrait s'en servir pour faire des trucs. Hop là, on met toi. Voilà. Magnifique. Ah voilà, c'est vrai que c'est magnifique. Non, mais on va aller on va rejoindre le guide, le chef de meute. Oh mince, l'endu. Donc il faut manger pour avoir plus d'endu et des trucs comme ça, c'est ça? Manger pour avoir de vie.
Ah ouais, ça gagne pas beaucoup de vie, moi j'ai 25. Et tiens. Manger 3 types de loups différents permet tiens. De... Ah ouais. Ah bah je crois que j'en avais un, merci. Attends, je vais manger tout de suite. Ah ouais, merci. Ok, à 15 minutes. Il y a un truc qui met 15 minutes à côté de ma vie, maintenant, que j'ai mangé le champi. Ah oui, ça augmente pendant 15 minutes, c'est ça? Tiens, attrape non, ça aussi. Ah, des framboises. T'as 3 bouffes différentes, et quand tu prends des merci. 3 bouffes différentes, bah ça augmente ton total de... Ah ouais. La chandue, en fonction de ce que tu... C'est pour ça qu'il y a plusieurs après. Cases. Attendez, je vais vous montrer le chat, si vous voulez pas. Bouffe. T'as de la bouffe améliorée après, t'as des trucs... Et voilà, t'as la vie maximum, et là ça va monter jusqu'à ta vie maximum. Et si t'as mangé un champi plus une framboise, bah... Ça fait un champifoise. Un champifoise. Ok. D'accord, et du coup faudrait que je mange genre de la bidoche, et là ça me ferait un bonus full, quoi. Ouais, par exemple... Oh, l'oiseau. Cuir et des trucs... Voilà. Mais ça, est-ce qu'il y a des trésors des fois? Non, je crois pas, hein. Cerf. Chut. Il y a un cerf. Ah ouais, pardon. Tu veux que je le boxe? Attends, je veux le boxer. Tiens, tiens, je le boxe. Oublie, hein. Oublie le projet CR du coup. Si, c'est juste plus tendu, mais je lui ai mis un coup déjà. Il y en a un qui est en face de moi. Oh, je lui ai mis 2 coups de bâton. Ouais. Du coup là il nage. Ok. Je sais pas si je pourrais réussir à le ravoir. Non, il va se sauver. Ah non, on peut le attends, coincer. Attends, ouais, il va revenir. On peut le coincer. On va faire le rabattage. Quoique, attends, est-ce qu'il va traverser l'océan? Il est possible qu'il aille jusqu'en Angleterre, là. Rappelez-vous que tout ce que vous construisez, allez construire. Là, vous regardez, vous écoutez les... Je vais me noyer. Kevin qui nage derrière le cerf. Il veut pas se laisser. Le cerf n'est pas hydrobloquant. Non. Ah bon? Ok. Il traverse les ruisseaux. Ah, l'autre, j'aurais dû essayer de le poursuivre. Mais un petit coin là, un petit point là. Des fois, j'entendais. Oh, c'est des. C'est des nix. Non, c'est je ça, c'est des lézards. J'ai été nixé. J'ai tellement nixé. Ça va, ils sont très faciles à tuer quand t'as un rond, un gond. Oh, tu, on nixe. J'adore les bruits des. C'est un peu trop baissé, du coup je remonte un peu. Mais encore une fourmi. Les fourmis, faut qu'elles arrêtent d'essayer de trouver de la bouffe chez nous. Les fourmis ça se fait pas. Arrêtent. Les fourmis, faut qu'elles arrêtent, hein. Je vais faire un tweet sur les fourmis, moi. Ça va pas traîner. Tweet en moi. Un cerf. Ah ouais. Par contre, il a une étoile. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est un cerf riche. Ah bah, ça veut dire que c'est un cerf un peu plus fort que les autres. Bon, on va tellement le marave. Il a un peu... Elle, ça demande de l'enduit d'être accroupi. Oui. En fait, faut que tu t'arrêtes. T'es essoufflé, t'es... La discrétion. Marche accroupi. Oh, dis un. Attends, je fonce. Tu super essoufflant dans la vraie vie. Pas trop tard. Ah, c'est vrai ce que tu dis? Oui, c'est trop chaud. Vous avez niqué les genoux en plus. Marche accroupie 4 secondes. Un cerf là. Bonjour. Oh, c'est une plaine. Bah, ça y est, il a déjà aplati tout le terrain lui. Bravo. Oh. Pas tu construis sur pilotis quoi. Ok, alors toi je sais que tu l'as pas fait, donc je te file ça. Pense à la source. Merci, j'ai une hache en pierre. Alors, dans la cabane qui est là-bas, c'est pas la mienne, mais dans la cabane qui est là-bas, vous pouvez utiliser l'établi et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a un établi, donc vous pouvez garder un peu vos bras. C'est la cabane à qui? C'est pas ta cabane? C'est pas ma cabane. C'est celle de ma cabane? Non, c'est pas ma cabane. C'est ma cabane? Non, c'est pas ma cabane. Oh, j'ai fait une roulade pour rentrer parce que j'arrivais pas. Ok, c'est pratique. Alors pour rentrer, faut faire une roulade.
Oh, j'entends des lézards. Ils sont visiblement. Mais je peux en fabriquer des flèches en bois, un bâton. Pourquoi il me propose d'améliorer rien, de fabriquer rien d'autre de nouveau? Hein? De fabriquer rien de nouveau? C'est dur le jeu. Non, c'est vrai, il me propose aucun plan. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire dans fabrication, j'ai que torche, flèche en bois, bâton. Mais ça, bah, quand je vais dans mon inventaire, c'est pareil quoi. Ah non, j'ai pas flèche en bois. C'est le seul truc que j'ai en plus. Bon. Donc j'ai pas d'arc. Ça semble fort peu intéressant à tout de suite. Pourquoi vous avez des plans et moi j'ai pas des plans? Parce que tu n'as pas construit peut-être de marteau. Bah je peux pas. T'as pas de bois? Bah j'ai du bois. Le problème c'est que bah j'ai bâton dans mes plans. Et torche, c'est tout. D'accord. Donc Va taper du bois, va faire du bois, va ramasser des cailloux. Ah voilà, bah c'est ça que je demandais. C'était comment on obtient des capacités. Je connais pas moi le jeu hein. Bah oui, sauf que au bout d'un moment j'ai besoin d'outils, donc je veux savoir comment me les fabriquer. Faut pas que ce soit le jeu qui te joue. J'ai besoin d'outils, faut qu'on me dise comment les fabriquer, je peux pas le deviner. Vu que ce connard de Corbac il me dira tout une fois que j'aurai fait. Oui. Très pratique. Du coup bah voilà. Oh. Un truc qui est rigolo, c'est que si t'arrives à faire tomber les arbres les uns sur les autres, avec un peu de chance, ils peuvent tous s'écrouler en même temps. C'est vrai. Et tu gagnes du temps. Waouh. Oh, ça fatigue hein. Je vais me promener moi. Ah le rodin il me fait mal. Et le gars il me fait mal. Tiens. Le tronc avec une branche, je veux dire que ça fait pas le malin. Mais il se coupe un jour ce tronc? Moi j'ai qu'un tronc qui roule là, c'est normal? Derrière. Ember! Ah il est fou! Oh, oh là là, ton tronc il a tué mon tronc! Bah c'est plus pratique comme ça. Oh! C'est un tronc anti-tronc quoi. Oh mais regardez là, ça fait n'importe quoi! Oh, oh là là! C'est dangereux, hein? Ah bah oui! Surtout si. C'est un gros dégât, hein, de faire se prendre un arbre dans la gueule! C'est marrant, on s'en doute un peu! Hein. Il se passe des trucs! Ah, ça y est, je peux faire d'autres choses! Je peux faire une tunique en rayon! Il me faut du cuir! Je crois que je vais aller chasser, moi! C'est quoi là? Bah, c'est quoi qui fait. Si tu vas tout droit, t'auras de la. Il faudrait faire un feu. Mais moi je peux pas, il me propose pas de le faire. Ouais. C'est quoi qui fait du bruit là? Ça m'énerve. Il faut juste. Je vais le latter. Du bois pour faire un feu. Il faut que je fais du bruit, tiens, je te bossonne. Je vais vous faire un feu dans l'ancienne maison. Comme ça. Tu... Oh, je crois que je vais me spé à main nue. Hop là. Voilà, je vous ai fait un feu. Ah, t'es là-bas, regardez là-bas. Je vous ai rajouté des combustibles pour faire des feux. Et c'est un one shot du prédateur sur sa proie. Quasi. Bah, c'est bien joué. Ouais, il a explosé dans mes pieds. Oui, parce qu'il n'y a pas de sang dans ce jeu. Paillettes, direct. C'est. Ouais, paillettes rouges quoi. Ah, c'est paillettes. Hop. Bon, et bah quand t'auras fait un feu, je pourrai mettre à cuire. Dans la capacité. Oh, regarde. Oh, ça va, c'est bien. Il s'est visé le petit. T'inquiète. Et t'inquiète, à la maison elle est niquée. Regarde la maison, et tout est niqué. C'est bien visé le petit. Bien visé, t'es bien visé à la maison. Ah putain. Ah la maison elle est tout niquée. T'inquiète, je te fais déjà. Regarde, ça roule. Allez, tchoc.
Je par... mort, mais je partais pourtant. Ah mais il est mort par rondin de bois là. Mais oui, je m'en fiais. Tu... En fait, j'étais de l'autre côté du rondin de bois, tu le cassais, il a roulé sur ma gueule. C'est un lit, t'as fait un lit. Bah non, il fait pas des lits. Moi je peux pas faire des lits. Mais il en faut, bah, il en faut 3 des lits, je suis en train de construire des lits. Eh ben fais des lits. Ça arrive, hein, les potes. Il fait pas des lits, il fait pas des lits. Ça arrive très vite, hein, les lits. Ça arrive très fort. Hein, c'est bon, les 3 lits sont faits dans la vieille cabane toute moisi, mais. Y'a plus qu'à cliquer dessus. Ouais, faut réclamer un pieu. Je peux réclamer celui-là. T'as pris lequel? Celui du milieu? Bah il y a marqué lit de Royal. Royal City. Royal City. Non. Le king size quoi. C'est le nom d'un lit. Tu reviens, tu. Oh putain, le sort. Oh, il est mid life. Et donc. Oh, mais c'est pas la main. L'infernal. Alors, pour mettre des grosses tatanes dans les serres, là, il y a du monde. Hein. Par contre, pour survivre à un rondin de bois à la con. Moi, c'est pas le végétal, moi, mon truc. La chasse selon l'axe. Ah ouais, c'est. Tu connaissais rien à la chasse. Ah, c'est technique. Hein. C'est il va revenir, il va revenir. Il va revenir, il va revenir. On a deux stacks à côté de la. Non, t'en as un stack à côté de la vieille maison. Parce que la vieille maison, c'est vraiment. En attendant. Oui. Si tu veux les foutre ici. Putain, deuxième serre à main nue! Non, mais viens récupérer. Je chasse! Deuxième trophée, paf! Ah, j'ai mis de la viande à cuire, elle va passer en charbon! Non! Non! Je l'ai oublié! C'est pas grave, ça passe en charbon, ça débloque des crânes! Oui, je sais! Oh, un X! Non! T'as des points, le Nyx là! John Cena à des Valheim. La chasseuse au point. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui crie derrière moi? Un sanglier, alors toi? Alors toi quand j'aurai des gros points? Alors toi? Oh putain! Oh, je l'ai presque eu à Manu! Oh le sanglier à Manu! Oh alors là! Alors là, tu viens là! Oh non! Il va remporter parce que j'ai plus tendu! Oh, j'ai eu un sanglier à Manu! J'ai eu un trophée. C'est dur hein les gens. Les German suplex sur Bambi. Ah non mais non mais c'est... Voilà. Il y a une planchette japonaise qui est partie sur le sanglier. Et il m'a mis à 1 PV exactement. Bah viens, viens. Ah, je viens mais j'ai plus d'endurance. Et ça fatigue de tuer des animaux à main nue. Viens des. Mais je vis. Et moi je vis, viens, mais je suis humide. Bah va reprendre ta stèle et va dans la première maison. Elle est où ma stèle? Ah ouais, elle est dans la maison, quasiment. Non, derrière. Tu es morte à la maison. Et parce... je viens de mettre de la viande cuite dans le petit coffre. Ah merci. Tu prends ta stèle, tu prends un petit coup de fraise, un petit coup de viande cuite. Let's go. Oh le corbeau, hein. Ça va bien maintenant, hein. Tu as ce molly tranquille, hein. Le repos pour les braves, bah sans bec. Merci, bro. Pla, roulade. Pla, roulade. Attention au feu, ça brûle. Et moi je fais dodo. Ah voilà. C'est bien parce que y a bien de la place. On est sur appartement du Crous à Paris un peu là. Bah là on est. Faut faire une roulade pour aller dans son pieu. Je suis dans mon lit. Moi aussi. Bah go, je suis dans le lit. Ça va passer la nuit. On va être bien reposé. Hop. Ça va, ça va. Et voilà. Et voilà. On peut se spé à main nue du coup. Ah oh, on a un confort 4. Oh ouais. Là ça me fait bien. Alors du coup tu dis... Oh y a un coffre ou quelque chose. Y a des spé je ne sais pas. Oh. Ça c'est bien. Est-ce que maintenant j'ai eu assez pour faire ma tunique? Non. Ah non parce que j'ai des... Ah il me faut ces cuirs là. Et cuirs de quoi? Cuir facile. J'ai deux trophées de sanglier si vous voulez. Et alors j'ai 3 trophées de cerf. Le but c'est pas de foncer la nature. Ah, enfin, j'ai un peu. Hein. En fait, je suis.
En tant que viking humaine, je... Voilà. Je m'adapte à ma... du coup, bah dans le coffre... dans le coffre, je mets les trophées. Gagnés par moi-même, à main nue. Ça a l'air... Oui. Je mets de la bouffe pas cuite aussi. Comme ça, on pourra la cuire. Est-ce que je peux la faire? Bon, voilà, si vous voulez de la nourriture à cuire, il y en a dans le coffre. Franchement, ça va être ma spé, ça. Bien, ça. Spé nourriture à cuire? Spé boxage. Spé box. Alors... Spé alpha 4. C'est limité au bout d'un moment. On va peut-être se passer des bricoles. On va organiser un petit MMA ici, là. On va mettre le ring là-bas, là. Il le prépare, là. Il le fait avec les poulets. Au toit, là. Oh, le dinguerie, comment il parle, loser. Vas-y, pars les bras devant. Oh, pourquoi mon gourdin, il fait pas beaucoup de dégâts, là, d'un coup? Parce que je tape dans le dos, je pense. Ils ont l'air d'avoir un gros sac à dos. Dans le dos. J'ai l'impression de Marave un sixième, là, avec son sac à dos. Bah, ça peut être pas ça. Dans le dos, alors, le petit. Dans, sur... Un j'ai niqué un petit. Dans le dos, il est, il tressaille. Et quand il tressaille, bah c'est gagné. T'as niqué un petit sixième? Ouais, j'ai niqué un petit sixième. D'accord. Il est mort, là. Il vit. Comme un loser. Loser de sixième. Oh la merde. Oh là là. Il fout, hein. Hop là. Hop là. Pratique l'entrée. Moi, je préfère la roulade, mais... Hop là. Ouais, tu sais faire la roulade? Oui. Tu veux que je fasse le truc? Tu veux faire le menu là? Attends, menu. Hop là. Ah, non, moi, je... Regarde, je fais comme ça. Non, mais dégage. Après, je fais comme non, ça. Putain, roulade. Je suis en train de placer un truc et il y a quelqu'un qui s'agite. Attends. Attention, après tu recules, tu fais comme ça. Des pas chassés sur le côté, c'est important. Hop, on fait pas chasser. Hop, ça. Tu t'as coupé. Il t'a pas vu. Il te voit pas. Là, paf. Hop. Roulade. Et après, tu fuis. Ah. Pardon, excusez-moi. Allez. Je suis en forme, il y a écrit en haut à gauche, à droite, c'est pour ça aussi. Oui. Elle est en forme, hein. Casse les couilles à tout. Casse les couilles. Je vais chasser, moi. Je vais chasser. Elle va chasser. On verra, on dirait un petit excité, tu sais, qui veut Tony oui, là, oui, dans la famille oui, de la jungle, oui, là, tu vois. Tony dans la famille de la jungle. C'est Dobby, non? Non, Dobby, c'est l'esclave de maison. Ah ouais, Dobby, c'est l'esclave. Voilà, Dobby, Tony. Tony, je crois. Tony, c'est le sauvage. Oh, le cerf. Oh, regardez comme c'est sympa là ici. Regarde un peu là, petit point de vue là. Sympa, hein, c'est vrai que la DA du jeu a un truc. Ouais, mais c'est très beau. Une meilleure... c'est vrai. Bah ouais, je pensais pas le trouver si joli en fait le jeu. Mais vu que la lumière est bien gérée. Et les couleurs aussi, bah ça va, le côté très simpliste finalement rend pas le truc moche quoi. Yo Sam, comment ça va? Il faut de la pierre aussi peut-être. Je peux la casser à main nue? Tiens la pierre. T'as deux différences, t'as la pierre et t'as le silex. Bah je fais zéro en tout cas. Je fais littéralement zéro à la pierre donc je suis pas sûr que ça marche. C'est plus comme dans Minecraft, pas l'âge. Ah mais faut que je coupe du bois moi. Mais je voulais chasser moi. Bah chasser, je m'occupe du bois. Ok. J'ai plus de bois. Seb y'a plus de bois. Seb. Même ton perso est magnifique, t'as vu ses cheveux rouges là? Alors oh, y'a... Mais what? T'as plein de trucs hein, activés. Je sais pas si t'as le flou cinétique. Vous avez vu dans le ciel? Alors à un moment... Non mais... Y'a une sorte d'arbre immense flottant au-dessus de nous. Comment il s'appelle l'arbre? Il s'appelle Jean-Jean.
Yggdrasil. Yggdrasil. Non, c'est pas. Jean-Jean pour les intimes, c'est pour les poteaux. Il y a un immense arbre au-dessus de nos têtes, il va tomber comme... Et je vais mourir comme tout à l'heure quand Royal il a fait tomber l'arbre sur ma gueule. Oh, un sanglier. Je le tente à main nue. Hop là. Oh, je vais gagner en discrétion. Faut qu'il y ait du bruit. Mais dégage toi, je chasse. Je suis Gamanu. Par contre, toi, tu as niqué ma chasse, toi là. Tête. Voilà. Oui. J'arrive. Je te fais un tas de bois. Tu les manges plus vite que je les fais. T'as une quoi comme hache? En silex. C'est quoi la meilleure, la pire ou la silex? Silex. Froid. Oui. Il faut sauter aussi pour avoir de l'enduit ou je ne sais quoi. On a pu faire un effort sur les persos quand même. Mais ils sont très bien les persos. Ça critique. Très bien les persos. Attends mais c'est toi que j'entends mettre des châtaignes là d'ici. Non, je pense pas hein. Moi, je pense pas hein. J'étais un peu fort hein. Non, là je fais rien, là. Oh, là-bas le cerf. Oh, attendez. Ouais, c'est Seb. Je le fais à main nue. Spé main nue. Passe la forêt, moi, t'inquiète. Et moi je la vide de ses habitants. Fais-moi un beau parking. Ouais. J'ai un cerf en face de moi. Mais je pense que t'es un petit peu loin. Hop là, je l'ai one shot au point maintenant. Non, toi aussi tu as des points. Non. Hop là, le nain gris aussi. C'est quoi ça? C'est qui balance des cailloux? Tu dis cailloux? Ah, il a les yeux bleus. Celui-là, il est plus résistant, celui-là. Ça, c'est pas un sixième, ça. C'est un quatrième, ça. On fout, j'ai pas peur. Le mec, il se croit fort qu'il a fait du sport. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis un grand frère, hein. C'est ça, c'est le grand frère. Je m'en fous, ça me fait rien. Ah oh, voilà, je l'ai eu à... Ah putain, mais il y a du monde là. Il a explosé. Oh, il y a du pu. Oh, œil de nain gris. Pierre, hache en pierre, marteau. Ouais. Ouh. Non, je peux en foutre le feu. Je vais en foutre du... ça. Ah mais là, ils sont plusieurs là par contre. Putain, c'est la bande des quatrièmes qui a allé braquer un distributeur. Mais pourquoi j'ai ma torche? Range ta torche, voilà. Concentre-toi sur un bras. Ah, j'ai plus d'endu. Mais ouais, c'est ça aussi, je peux plus taper parce que j'ai jamais d'endu. Parce que tu cours partout. Non, parce que je tape. Je tape à main nue. Hey, j'ai une question. Une fois que ton outil est mort, tu peux le réparer ou tu le jettes? Pour l'enterrer. Tu dois le réparer dans une table de fabrication. Trop c'est forte. Gratis, tu cliques sur le truc. Mais par contre, la table de fabrication, faut qu'elle soit couverte. Oui. D'accord. Donc dans l'autre maison, on peut le réparer. Les patates de l'oc tellement puissantes qu'on les entend across the map. Oh là là. Oh là là. Non, mais c'est... La patate, quoi. Je viens de faire tomber 4 arbres en 2 coups. Wouah. Ah, ça, tu fais au poids, toi aussi. Ah, il y a du pu. Tu vas marcher dans le pu pour ramasser la branche. Bah, évidemment. Je fais de la perso de valaïmophobie. C'est pas bien, effectivement. Eh, c'est stylé, hein. Ok, c'est beau. Vous avez faim? J'ai pas de viande, hein. Pas avec moins de trucs différents, différents. Moi, ce qu'il me faut, ce serait surtout. Ouais, j'en ai. Ce qu'il me faut, ce serait surtout du cuir, mais du cuir de cerf pour me faire des tenues. Mais le problème, c'est que là, je croise surtout des sangliers. Alors, je vais quand même boxer le sanglier à main nue. Le cuir de sanglier va être utile, comme le cuir de cerf. Il va être utile à faire de toi. Ouais, je me doute. Je prends de toute façon, mais pour ma première tenue, il me faut ça.
Vous avez un petit creux ou pas? J'ai un sanglier. Je l'ai trichot à main nue. Yep, t'as du feedback. J'arrive. Oui, je sais ça. Oh, pissenlit. Oh. J'ai pas fait exprès, mais j'ai vraiment eu un relent de cid dans. Oh, un pissenlit. Oui. Non, est-ce... dans l'âge de glace là. Hey Sage. Titième là, tu veux des points? Tu veux tâter de mes points? Non. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Eh, j'ai des. Franchement, je gagne. Je pex, hein. Bah, bien sûr. Les trucs, tu perds un peu de. En mourant, tu perds un petit peu de ton truc. Ah ouais? Et, mais tu perds pas beaucoup. C'est vraiment quand t'es très très haut que tu commences à perdre parce que c'est j'ai très, entendu très un long cerf. À faire les derniers points, mais. Ah c'est joli ici, regardez ça. Quoi? Du bruit. Je m'accroupis. Oh pas ici, regardez là, les petits nénuphars et tout. Moi je voudrais pêcher aussi. Ah je ramasse des silex, ça j'en ai pas encore ramassé. Ah voilà, c'est ça me débloque des trucs en pierre que j'avais pas. On va rentrer à mes œufs, hein. On va voir ce qu'on peut fabriquer. Mais j'aimerais bien choper des cerfs sur le chemin. Toujours à main nue, évidemment. Non mais... C'est à main nue. Ah oui, tous, ouais. J'ai tous eu à main nue, là. Oui, mais... Nous sommes équipés pour faire autre chose que des cerfs à main nue. Je suis équipé. Bonjour, de mes points. Et voilà, mais ça, c'est encore du sanglier, ça. Je chope, hein, je chope, hein. Ça donne envie de chercher, d'aller la... Ça donne envie d'aller chercher la base de l'arbre. De trouver ce qu'il y a en haut. Ouais, c'est vrai. L'arbre qui est au-dessus de nos têtes, oui. Ah, mais je pense que ça. Oh, j'ai. Oh, je l'ai OS. J'ai OS le sanglier à main nue. Est-ce que tu étais de dos? Parce que ouais. Si tu le surprends. Ouais. Ça fait paf, 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 paf. Et bah, ça fait juste paf. Explosion. Ok, faut que je rentre à la maison. C'est où la maison? Elle est où la map? Elle est là. Il faut que okay, tu dans ta map, tu te mettes. Ouais, c'est fait, c'est coin. Fait. Maison et... Ah non, ah, c'est pas indiqué. Là j'ai un truc. Ah non, c'est un cadavre. Ah donc faut que je mette un repère maison. Ajouter ouais, un repère. Tu mets sur le côté, tu double-cliques, ensuite tu mets son nom. T'as ton petit lit qui est. Qui est mis identifié. Sur la map quand même. Ouais. Ah bon? Pas l'impression. Le lit est mis sur la map. Par défaut. Je vois pas. Juste au-dessus de jour 3. Bah si, on a si. Dormi dedans. Je le vois sur ton stream. Zoom, continue de zoomer sur ta carte et tu verras au-dessus de ah jour 1. Ah oui, c'est de fin et c'est de profil. Oui. Alors effectivement, je le voyais pas à cause du jour 1, du jour 3, machin. Ah c'est bon, maison. Putain, voilà. On va débloquer des trucs. Super, c'est maison en QWERTY, du coup c'est... c'est qu'ils ont. Parfait. J'y vais. Oh le cerf, je boxe. Oh le cerf. Il est presque boxé. Je te suis là. Presque. Je connais, il va revenir vers moi là. Je connais. Je connais la nature. Bon là, il revient pas là. Toi, oh, le petit IM là. Ça fait fuir mon cerf. Oh la patate. Je level up. Ouais, j'ai tué le sixième. Je reviens. Ils sont bizarres ces cailloux. Pas des cailloux. Si, c'est des cailloux. Ok, je rentre à la maison et je vais ramener ce que j'ai pécho. Je vais essayer de faire une tenue. Mais on n'a pas beaucoup de cuir par bestiole. On a genre un quoi. De quoi? En bestiole, oui, ça dépend. Ça dépend quelle bestiole, ça dépend la bestiole, la rareté de la bestiole, etc. C'est vrai que c'est pas fou. Je ramasse les pissenlits, on pourra se faire un petit bouquet. On peut pas gérer avec ça. Faut le temps.
a pas fait de toit encore. Non, oh là là. Non, non, il a pas fait le toit. Oh le cerf, mince, il m'a vu. Je voulais plus lui, bon c'est pas grave, on va prendre le shanguille. Comment est-ce qu'on fait pour... Pour la réparation, t'as dit ? Sur l'établi ? Ouais, et il y a un petit marteau. Peut-être le cerf donne plus que le sanglier ? Bah en fait, je crois qu'il donne pas le même. Mais là, tout de suite, j'ai surtout débloqué les crafts du cerf. Bah... Donc je prends sanglier, mais... Mais en vrai, je crois qu'il me faut là tout de suite pour avoir les toutes premières fringues. Il me faut sanglier. Il me faut cerf. Mais Ah, je sais pas en fait. J'en sais rien. Ah non, t'as raison. Non, ça dépend de la bestiole. Peut-être que le cerf en donne plus, t'as raison. Nettoyer d'un cerf. Ah non, ça c'est un cerf. Ça, c'est trop fait sanglier. Ah ouais, je crois que les sangliers donnent des bouts de cuir. Oh, j'ai une tunique. Oh putain, j'ai looté une tunique. Oh, j'ai looté une tunique, eh. Croyez. Incroyable, j'ai déjà des fringues. Salut silence, ça va silence. Mais oui, peut-être que les bouts de cuir c'est donné que par les sangliers. Et que les cuirs classiques c'est donné par le cerf. C'est plus si beau ça. Ouais, t'as exploré une baraque. Non, je crois pas. Je crois que c'est... Est-ce que c'est possible que ce soit un mob? Mob. Tiens, en parlant de mobs là, qu'est-ce que tu fais là toi? Oh, je l'ai raté, il esquive trop bien. Et puis merde. Bon quoi, tu reviens là Sors le dent, ça donne un peu de hâte. T'as plus 4 en charisme quand tu sors. Ça s'ouvre, ça. T'as 4 en charisme quand tu sors les dents. En tout cas, faut faire attention, des dingueries, ils attaquent, hein. Pas des nains jaunes. Où est-ce que... Attention, roulade. Là. Le bois, c'est... Je t'en ai posé deux gros tas devant. C'est déjà fini, c'est... Mettre les plumes. Attends, je vais te t'aider. C'est parce que je vois des souches. Vire les souches, si tu veux. Oui, oui. Là, il y a ça, je vois. Juste que j'étais en train de nettoyer un petit peu parce que j'ai fait tomber tellement d'arbres, un peu partout. Je nettoie les troncs que j'ai mis par terre. Voilà. Hop, et là, je dépose de la bidoche. Je t'amène deux stacks. Elle périme, la bidoche? Alors, non. Elle périme pas. Eh ben, c'est cool. Cours plus vite que nous. Ouais. Nickel. Croisé Usain Bolt dinguerie. C'est ça. On l'a jamais vu. Ils ont fait dodo? Ouais. Ouais, si tu veux. Tombé, je suis déjà dedans. Bah pareil. Je dépasserai les lits. Bah moi je dois atteindre le mien en faisant une roulade en tout cas. Le fracas. Le fracas des armes résonne sur la plaine sombre et luisante et votre sommeil. Je sais pas ce qui était dit, je crois, merde. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il fait encore nuit. Bah, Usain Bolt est revenu. Il a seulement une tatane. Tu l'as tatané, hein? Ouais. Bon, je pense qu'il faut que je coupe du bout. Ah oui, non, je voulais voir ce que je peux crafter maintenant que j'ai fait des trucs. Hop là. Alors, ah ouais, j'ai marteau ou hache en pierre, hache en silex, pantalon à haillons, tunique en haillons, je vais me faire un pantalon. Et 5 de cuir quand même. Bah, let's go, on fait. J'ai des petites sixièmes qui veulent m'attaquer. Oh putain, je vais marave. Ils sont où là? Ils sont où? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je les tue, moi. Je vais répondre là. Pascaline, la grande sœur. Pascaline. Ah oui, c'est... Ah du coup, les fringues que tu portes, ils sont dans ton inventaire. C'est chiant. Ça va
Escaline la bagarre. Escaline la bagarre. Au sanglier, je te brave. Alors, les fringues que tu portes dans ton inventaire, elles sont en bleu, donc mêlées dans un coin, voilà, et restent dans ton inventaire. Ça te fait un poids, évidemment, parce que tu es considéré porté sur toi. Allez, sanglier, moi je te les boxe. Je sais pas s'ils sont vraiment contents de ça. Ah ben il m'a faussé dessus. Feu. Ah. Attendez, je vais me mettre près du feu, ça va me réchauffer. Hop là. Ah, ça m'a trop réchauffé, j'ai cramé. C'est bon. Ouais, ok. Ça c'est bon, là j'ai du bois, pissenlit, bah, j'en ai ramassé s'il y a besoin. Je l'ai pas mis dans, dans le coffre, mais je vais peut-être le mettre dans j'ai le coffre. J'ai fait un petit coffre à l'entrée de la vieille cabane. Ah oui. Non mais j'en ai fait 10 là si vous voulez. Dans la nouvelle baraque. Ah. J'en ai fait un petit peu. Bon c'est pas tant que tu me dis pas c'est beau pour venir. Oh mais tu fais un petit esthétique et tout, regardez ça. Ouais ouais. Oh c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. Regardez ça. Mais c'est trop classe. J'adore. Attends. Mais c'est trop classe en fait. Et en plus il s'est fait chier, il a mis des X partout là. Oh, waouh. Eh, il est-il pas trop fort, dis donc. Petite cheminée là. Oh, y a un étage. Non mais il est trop fort. Trop fort le gonzo. Parce que je veux pas la faire carrée, je veux la faire en L. Pour l'instant d'abord une maison. Le L de l'axe. Et du coup, il me faut à peu près 7 milliards de bois. Cette cabane, alors faut savoir qu'elle a pas été construite. C'est une cabane qu'on a trouvée telle quelle. Coucou, Jots. C'est une cabane qu'on a trouvée telle quelle en ruine et du coup, on s'est posé dedans au tout début. Ouais, c'est un truc mais pour les clodos. C'est voilà, c'est les cabanes de clochard que t'as, que tu chopes au tout début. Et du coup, bah, ça tombait bien qu'elle soit là parce qu'il comptait s'installer dans un coin comme ça, royal. Donc, il a commencé la construction à côté, comme ça, on a quand même un petit pied à terre, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'un établi et même un lit, je pense, on peut pas les poser dans une maison où il n'y a pas de toit, je crois. Ou en tout cas, où t'as pas de mur et de toit. Donc tu peux pas te mettre en mode, allez on pose comme dans Minecraft, un lit, un coffre et une table de craft. Ça marche pas comme ça, faut que t'aies une maison. Tu peux faire ton établi techniquement partout, mais tu pourras pas genre réparer, fabriquer et tout ça, ah, s'il d'accord. Est pas couvert. Ok. Et là par exemple je viens de le couvrir, l'autre, et du coup on peut utiliser des... Je me demande vraiment, ouais cet arbre, on... Mais de toute façon on avancera à la quête principale, on verra. En tout cas moi je crois que je vais boxer des chèvres. Il nous faut plein de cuir pour qu'on fasse des arcs. Let's go, j'y vais. Je vais chercher du cuir. Donc continue à taper des cerfs, des trucs, ça marche. Des machins. Je trouve des serres plus d'ailleurs. Hop, est-ce que j'ai de la bidoche sur moi? Oui. Ça on a et ça on a. Voilà, c'est bon. Ah, je suis full. Un petit spoiler. Oui. Vous entendez mal Discord? Je mets plus fort, étoiles. Excusez-moi. Si tu trouves un sanglier 2 étoiles, ne le tape pas. Même à main nue? On va essayer de l'apprivoiser. Oh vraiment? Attendez là. Ah, j'ai ma sûr. Vu que quand on les apprivoise, après ils se reproduisent entre eux, et donc par exemple un sanglier, une étoile va se reproduire en une étoile, etc. etc. Et si t'as quelques deux étoiles, bah ils vont se reproduire entre eux, etc. etc. J'irai pas plus loin sur le spoil parce qu'on peut faire des trucs incroyables. Je te lâche pas, toi, je te lâche pas. Incroyable. M'entendez? Ouais, ouais. Incroyable. Incroyable. Là-bas, il s'est arrêté. Il a plus de vie, on y va. Attendez. Go mettre KO le sanglier 2 étoiles. Ça, c'est lui dans mon regard, c'est ça. Génial. Non. Pourquoi vous la forcez? Pourquoi? Hop là! Je l'ai eu. C'était chaotique chez du coup.
que j'avais qu'il y avait une énergie chaotique qui ressortait de moi, même quand je parlais tout doucement, quand tu dors le soir par exemple. Une énergie chaotique qui se dégage de toi. Il dort ? Non, je te crois pas. Ça, c'est pas vrai, il dort pas. Tout le monde ne se couche pas à 23h. C'est beau. Bah si, il fait nuit, il faut dormir. Ouais, en Belgique, il fait tout le temps plus ou moins nuit. Hein. Dans le pôle nord de l'Europe, là. On peut pas se fier à ça. Toi, le nain gris, hé, je vais appeler tes parents. Alors attendez, des bestioles. J'y vais. Sanglier là. Viens vers moi. Ah, elle m'a vu. M'en fous, je l'ai éclaté. Seb. Oui. Qui a dit ça? C'est encore Hans. Ah non mais... 4000 de bois, une baraque. Ah mais un château. Un viewer qui vient, je crois qu'il était venu par Genshin et qui m'a regardé hier. Il m'a dit ça hier avant-hier sur... oui, sur Breath of the Wild, sur Tears of the Kingdom. Il m'a dit ça. J'étais là, j'avoue, il y a un peu de ça. J'avoue en vrai un peu de ça. Et je vais mettre Discord parce que je vois pas. Voilà. Faut juste chasse, hein. La chasse. Oh non, je vous tiens au courant. Ah mais il fuit, mais il m'a vu. Ah non, non, il fuit pas là. Non. Alors du coup, le cerf, quand je tape dans le dos, lui... À main nue en tout cas, je l'achève pas tout de suite. Ah merde, il m'a vu. Je t'ai pas accroupi ? Si, je t'ai accroupi. Normalement, quand on est accroupi dans un jeu, on est genre invisible. Je pense qu'il va revenir. Oh, ça fait... Oh, je crois que j'ai fait des cris, ça fait couing couing quand j'ai tapé. Alors, quand tu l'as... Quand il tressaille, là, quand ouais. Il est décelé, oui. Là, tu vas forcément lui mettre des, genre, des gros coups critiques. Tellement pas réactif quand tu veux frapper le cerf. Eh oh, je fais ce que je peux, hein. Non, ça va. C'est que bon, bah je... On est peut-être pas censé chasser un main nue. Il y a peut-être un peu de ça aussi, quoi. Genre... peut-être un peu de ça. Je trouve que je m'en sors bien, quand même. Ah, il y a un autre cerf, attendez. On va régen. Toi, le jeu, ouais. Je vois tout ça. Discrétion, j'ai des points. Bon, là, je vais être de dos. Voilà, le cerf il est dos à moi. On y va doucement. Voilà, faut que je mette deux coups. Tout à l'heure j'avais pas préparé le second. Viande de cerf x 2. J'ai pas eu de queer. Non, j'en ai pas eu, j'ai l'impression. J'ai peut-être pas eu le temps de voir, mais j'en ai pas eu, non? Ouais, ça se peut que t'en aies pas du coup. Hop là. Ah ouais, mais c'est chiant parce que c'est long, hein. Surtout à main nue. Enfin, c'est qu'il me faudra un arc en fait. L'arc c'est effectivement le best pour faire ça. Et tu peux t'en faire un à la maison si tu trouves de quoi faire des trucs. Pour un arc c'est genre 10 bois et 8 bouts de cuir. Les bouts de cuir c'est évidemment... Oh, forêt noire. Les trucs. Je te conseille pas trop. Oh, on veut des cailloux là. C'est les manifestations, putain. On est retourné à Paris. Donc on s'est pas trop d'aller là-bas pour le moment. On va voir un peu. Ah, caché. Ouais, non. Je te conseille pas trop.
t'arrive. J'étais bloqué par un buisson. Salaud. Je peux te les mettre là-haut, les tas. Ah, j'ai explosé. Ah, j'aurais dû fuir, mais bon, j'avais envie, là. Oh, mon dieu. Il te faut un arc pour farmer des cuirs, mais il te faut 8 cuirs pour farmer un arc, oui, c'est ça. Voilà, mets-toi ici, mets-toi ici. Il te faut du cuir pour faire un arc, pour avoir du cuir. D'accord, let's go. Sinon, fouler dans les corps, hein, ou te faire des tas. Hop là, là je vais chercher mon cadavre. Tu fous dans le premier. T'es par où? Pas dans lequel tu veux le mettre. Là-bas, jour 5. Qu'est-ce que t'as le corbac encore? Demi-tour, cet endroit est dangereux. Pfff, ouais, c'est parce qu'ils sont pas forts. Oui. Est-ce que je la vois de loin ma tombe? Oh, t'as des fruits, ça c'est bien ça, j'en ai pas trop récolté. On va pouvoir se faire une confiture. Maintenant, il faut du sucre. Dans le jeu. Il existe. Ah, le corps est là. Ok, j'ai tout récupéré. Très bien. Bon, forêt noire, c'est pas tout de suite, tout de suite. On va manger un peu. Là, je mange. Là, je mange. Ah, ça se stack pas automatiquement, c'est chiant. Là, je mange. Ok. Je range n'importe comment. J'essaie de trier l'inventaire, j'ai eu n'importe quoi. Course fantôme. Ah ouais! C'est le moment de chasser, là. Pourquoi 4 et 5, ils me proposent des armes que j'ai même pas? C'est chiant. Pour la chasse, toujours hein. Il faut un million de cuir. C'est ça. Mais les bourgeons d'un gris, ils donnent pas du cuir et pourtant j'en tue plein. MDR, t'as juste déplacé des trucs histoire de... Ouais bah ça va, j'ai essayé, j'ai abandonné. Merde. Elle me juge. Qu'est-ce que c'est ça ici? Yep. Déjà? Oui. Oh. Oh. Je les place, ça suit 6 par 6. Oui. Donc ça va. Coucou! Coucou! Salut Cash! Bon, il se passe des... Bon. Alors que j'hume. Il fait de la déco le mec. Non, mais ah, c'est bien, j'ai le vent de face, ce qui fait que mon odeur n'ira pas vers eux. C'est bien ça. Maintenant faut que je trouve l'animal. Trouver l'animal. On a trouvé la bête. On l'a repéré. Oh, c'est joli quand même. Attention. On est dans le bon le bon sens niveau odeur. Si vous voyez, comme vous voyez au petit trait du vent, paf. On a le cerf qui nous envoie son odeur, mais non l'inverse. Par contre, il est face à nous. Ce qui veut dire que... Il a trop bien. S'il a des yeux, je suis en galère. Viens chercher un arc. Merde, il était pas aveugle. Il y avait une chance, il y avait une chance. Vous savez, avec le round-up... T'arrives et j'entends merde, pourquoi ça? Mais parce que... Pour dire bonne chance, tu vois. Ça va, Cash? Attention. Sanglier. Sanglier. Merci beaucoup, Kirito! Merci beaucoup, c'est trop mignon. Désolé pour le live hier avec Zelda, j'étais très fatiguée. Mais non, mais t'inquiète! Mais hier, de toute façon, j'ai pas fait du Zelda, j'en ai fait avant-hier, quand il est sorti. Merci! Merci beaucoup!
Adorable petit Kirito, merci, c'est trop mignon. Mais pas de soucis. Pas de soucis. Et comme j'ai dit, je ferai très peu de Zelda en live. Je kifferai juste de mon côté. Et quel kiff. Vraiment, hein. Truc de fou. Donc, non, mais c'est trop mignon. Merci, c'est trop mignon. J'espère que tu vas bien. Tu passes un bon week-end. Et c'est super gentil. Champi, champi, je prends. Ah là, j'entends une bestiole. Et je vois du bois coupé de partout. J'ai l'impression que je suis dans le champ de Seb. Pas de ma cabane. Le parking. Le parking de ma cabane. Pas ce qui te fait dire ça. Les branches dans tous les sens. Oh, le cerf, il m'a vu en. Bon, arc. Hein. On sera plus efficace. On est obligé de renoncer. Pourquoi mon téléphone n'irait pas de. Voilà. Très bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Petite découverte de Valheim. Je boxe beaucoup de cerfs. Pour le moment, c'est mon expérience. Ouais, effectivement, on était bien. Voilà. On était bien dans le parking de ma cabane. Ouais. Timber! Ah, j'ai failli aller pile poil en dessous. En fait, bon, ça a été. C'est bon, c'est bon. Alors, petit arc. Où es-tu? Est-ce que tu m'en as fait, Royal? Est-ce que tu as pu m'en faire? Est-ce que tu as des cuirs? Bah c'est ça que je cherche, c'est pour ça d'ailleurs que je veux un arc, tiens, bah viens, viens, qui complexifie. Alors attends, j'en ai là. J'en ai en tout 7, des morceaux de cuir et du cuir normal, j'en ai 11. Bien. Mais bon, c'est en prenant dans tous les stocks qu'on avait mis en commun. Attends, j'arrive. What the fuck. Ah merde, je viens de péter le truc avec l'eau. Merci beaucoup Mokominda pour... Salut Serfwen. Mon cul, c'est pas une dictature, c'est dur, c'est ça. C'est... Oh le pseudo, merci Glominda. Glominda coffre un sub, un pseudo. C'est mon cul, c'est pas une dictature. Oui, ça va. Merci. Non, merci beaucoup. Ouais, j'ai des trucs qui clignotent, ça me saoule. Mais là, sauf tu que... cliques sur l'établi, tu cliques sur ton petit marteau et ça va les réparer. Plein de fois, hein. Ça répare. Le marteau qui clignote à droite. Le marteau qui clignote à droite. T'as écrit table de fabrication. Là, le petit est un petit marteau qui clignote juste il à côté. Il est décalé par rapport à la fenêtre. Ça te fait un espèce d'onglet à gauche de la droite. Ok, attends. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Voilà. Vas-y, vas-y. Merci. Et on va dodo. Par contre, c'est chiant parce qu'en fait, il met en double des items que j'ai pas en double. Je comprends pas. Mais bon, je vais voir ça après. On va faire dodo. Merci. J'arrive. Le style graphique de Valheim ressemble beaucoup à un MMO des années 90, début 2000. Je saurais pas dire, probablement. Peut-être. J'ai pas trop joué au MMO dans ma life. Est-ce que peut-être DAOC, ça ressemblait un peu à ça? Je sais pas. Royal, toi qui as joué Dark Age of Camelot, bah peut-être aussi ma cabane. Pas ce point là. J'ai pas fait celui-là. Pas ce point là. Après, la lumière et tout ça est très très bien gérée. Donc on reconnaît quand même le côté récent du jeu. Par la. Je trouve l'eau et les reflets dans l'eau et la gestion de la lumière. Qui pour moi était loin d'être comme ça dans les années. Ou clairement même. Dans les années 90, 2000 même. Il y en avait pas, effectivement. T'as pas ce côté un peu éclairage dynamique où tu passes sous un feuillage et tu vas voir des éclairages entre les branches, trucs comme ça. Ça, c'est des détails qu'il y a quand même dans Valheim, même si par contre, le style est assez simpliste sur les textures. T'as quand même ce côté éclairage assez poussé. Du coup, bon. Maintenant, j'ai tout réparé, c'est cool. J'ai un arc, du coup, merci beaucoup. Et j'ai 60 flèches. Est-ce qu'il faut que je les équipe, genre que je fasse ça, peut-être? Non. Oui. Juste dans ton inventaire. Juste dans mon inventaire. Non, parfois il faut. Tu fais clic droit dans ton inventaire sur les flèches. Ah! Est-ce que tu as différents types de flèches? Ne prends pas le stack de bois là, sinon je serais pas. J'ai du bois sur moi en fait. Tu le poses dans le premier coffre. Ça marche. Ouais, je te donne tout ça. Alors, il y a des coffres d'ailleurs, je vois. Il y a encore rien dedans donc je n'ose rien ranger, je vais attendre.
Parce que par exemple, j'ai des yeux de nain gris. Toi qui pars à l'aventure. Vas-y, vas-y, vas-y. Toi qui pars à l'aventure. Oh, de la bouffe. Mais t'inquiète, ça je déteste. Et... Hop là. Ah oui, le cuir. Est-ce qu'il faut que je le pose quelque part? Ouais, vas-y, vas-y. Je le mets dans un des coffres. D'accord. Alors là, je vois du bois par exemple. Ah bah là aussi. Bon, je vais mettre en dessous. Je vais mettre ici. Là, je mets le cuir. Donc, si tu cherches du cuir aussi, ma cabane, c'est dans la c'est dans la maison, pas la cabane. Oui. La cabane, c'est l'autre truc. Hop, et je mets ça là. Et ça, c'est quoi que de Nyx ? En mangeable cru, une fois cuit, plutôt bon. Ok. Oh, je vais essayer de côté, on verra. Là, tu le mets de côté. J'ai des silex et des cailloux. Je vais mettre ça à côté du bois. Tiens. Silex et cailloux à côté du bois. On a une certaine logique. Et la résine. Hein. Je vais mettre en dessous. À côté. Ah, je vais en garder un tout petit peu pour me faire une torche si j'ai besoin. Est-ce que je peux en garder un petit peu? Je peux en garder genre 5. Voilà. Voilà, dans le coffre à côté de. Ouh. Oh, c'est classe! Regardez ce qu'il fait là! Regardez comme, comme c'est stylé ce qu'il nous fait! Ah! J'ai marché dans les cailloux, ça a fait des. Système du visual design est beaucoup plus moderne et épuré. Oui, c'est ça. Et on a aussi un flou de profondeur. C'est assez bien fait, regardez. Là, en premier plan, c'est pas flou, mais au second plan, oui. Et quand je m'approche, là, le second plan, il y a la mise au point qui est faite sur, sur du coup ce qui passe au premier plan maintenant. Enfin, plus ou moins. Et ça, c'est vachement bien fait, je trouve, regardez. Là, on le voit bien, là. Et du coup, ça donne un côté, je sais pas, ça... côté photo un peu. Surtout les persos qui sont chelous. Oui, oui, on voit. Ça. Tu sais, je sais. Non, mais j'ai compris. Compris, t'as un problème avec le physique. Le physique des Valais, moi. Il y a des persos dans Arc avec leurs proportions toutes de travers. C'est vrai que dans Arc, ils étaient chelous. Mais c'est pas dans Arc qu'on pouvait leur faire une énorme. Ouais, je me censure, c'est pour un live. Pour un live plus politiquement correct. Mais t'as des beaux cheveux. Moi ça va, j'ai une jolie coupe. On va dire ça. Bon, on est quand même sur un système de reflets dans les cheveux assez basique, c'est-à-dire qu'on a des traits légèrement plus clairs. C'est tout. Mais voilà, là l'eau par exemple, elle est quand même plutôt, plutôt jolie. Par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer. Et puis la lumière quoi, regardez ça. Regardez la lumière là. Allez, je vais chasser. C'est parti, on va chasser. Hop là, je mange des petites framboises. Oh lel. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait des soucis? Ah non, j'ai cru que tu passais à côté de moi au moment où il y avait un arbre qui tombait, mais je t'ai confondu avec un petit sixième. Oh non, eh oh, confonds pas avec ça, hein. Je vais marrer vos points. Oui. Il m'a confondu avec un petit sixième. Attendez, les oiseaux. Ah, il a pas bougé. Ah ça y est, il a bougé. Est-ce que je peux ramasser les flèches après? Ah non, faut faire attention. Ok. En tout cas, j'ai pas réussi. Ok, ok. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce que c'est ça? La résine, hein? Ok. Ensuite, on va chasser, on va chasser. Il faut du cuir, parce qu'il faut qu'on s'habille. Et parce qu'il faut qu'on fasse d'autres trucs. Et le cuir, ça se chope ni sur les lézards, ni sur les sixièmes, ni sur ceux de quatrième. Donc ça commence à être chiant. Du coup, ça se chope sur les sangliers et sur les cerfs, mais faut les trouver. Et là, pour le moment, j'entends des grrrr, et ça fait grrrr, c'est des lézards. Et les lézards, on s'en fout. Non, il n'y a pas de... Non, arc, ok. T'as vu? J'ai fait la censure que tu as écrite. Ça, c'est... C'est un stream de... Ah non, mais professionnel. C'est maintenant, ça censure directement. Y'a pas de... On s'en bat les... On s'en bat les... On s'en bat les... Du coup, je me censure moi-même, je me coupe moi-même, je dis même pas le mot. C'est vrai. C'est fou. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Bon, et toi? Oh, coup de poing. Oh là là. Moi j'en ai marre là, d'être tué avec l'autre avec son sac à dos là. Attends, je vais m'entraîner à l'arc remarqué sur lui.
Oh, waouh, c'était à chier. Ah non, c'est bien quand on touche. On va pas penser, tu vois. On pouvait faire genre des torses de 50 cm et d'autres de 30 mètres. Ah d'accord, je savais pas. Non, je crois que je confonds avec... Ah, c'était lequel? Est-ce que c'était pas sinon dans Conan Exile où on pouvait avoir des persos à poil, dont des mecs avec des énormes teufs, je sais plus. Et pareil avec les gonzesses et leurs tits. Ouais, ouais. Ouais, dans Conan Exile, il y avait des trucs comme ça. Là, Locke, c'est son 1m50 confondu avec un 6ème. Eh oh! Mon perso il fait pas 1m50, perso il fait 1000 mètres. Oh, je l'ai pas eu. Oh, ah c'est efficace. Ok. Par contre là il y a des sapins, donc ça veut dire forêt noire. Ouais. Ah mais attendez lui là. Ah il me faut de l'endu, oui c'est logique. Ah j'entends le cerf, on l'entend. Je pensais que ça suffirait un coup. Trophée de nain gris collecté. Nice. Oh non, mais sur le chien, il y en a plein. Oh non, mais voilà, ils sont trois à chaque fois, eux, c'est chiant. Mais pourtant, il y avait des cerfs dans le coin, ça me saoule. Et je veux pas gaspiller mes flèches pour eux. Non, non, les flèches, c'est gratuit. Ah, oh nice. Un petit les coup. Flèches, oh, j'entends, j'entends. Du bois et le bois, il n'y en a pas beaucoup dans Valen. Je suis en train de raser une forêt. En plus, on peut le faire pousser comme. Ah ouais? Bah bien sûr. Quand tu tues un, quand tu abats un être, des fois il y a des graines de être. Bah tu les reprends. Ah je sais pas, moi j'abats que des trucs vivants moi. Ouais bah c'est bien ce qui me semble. Hein. Qui est des trucs que je peux faire au pouing? Je peux pas faire les arbres au pouing, c'est mort, je sais pas. Oh là là! Bon, j'ai eu des dingueries grâce à l'arc, c'est quand même pas mal. Par contre du coup ils font fuir toutes les bestioles parce qu'ils me suivent sur 12 mètres. Ah! Là, là-bas, regardez, on le voit, on le voit. Attendez, faut que je... Oh ! Je l'ai OS ! Il a une étoile en plus ! Il donne plus de compo ? Pot de serre x2, pot de serre, ok. Ok, ok. L'arc, c'est vraiment très très efficace. Bah, il faut. Et ouais, je fais, je fais. Faut que je trouve les bébêtes, mais je fais, hein. Quoi ça ? C'est un dinguerie ou c'est un sanglier ou c'est un cerf ? C'est un dinguerie. Oui, oui. J'étais en train de me vider un peu parce que je peux pas. Il a fait pipi. Je pouvais pas te faire plus de. Ouah. Pardon, pardon. C'était c'est... facile. Pardon, c'était trop horrible. J'avoue. Je pouvais pas te faire ramener plus de 2 stacks de bois en même temps. Oh putain. Mais je suis si fort. C'est quelqu'un de très fort, visiblement. Ah ouais. On est sur des serres one shot là? Je peux te dire que je cède. Hein là-bas, c'est quoi? Changlier, je dirais. Ah mince, passé. Ah mince, trop. Parfait. L'avantage, c'est que les flèches ne les alarment pas beaucoup. Donc quand je rate, ça va, je s'ouvre une seconde chance. C'est stream family friendly. On se censure, je suis obéissant, je me censure. Oui, bravo. J'ai pas eu. Je vais essayer pendant qu'il court, mais ça va être chaud.
Il fait des moves chelous. Faut que je fasse plus haut. Ah, et j'anticipe bien pourtant, j'ai l'impression. Ton arc est pas très très puissant au départ, il sera plus évidemment. Ah, la mouette, elle m'a troll. Les narcs. Quand j'ai commencé des mois, j'avais streamé sur Discord pour deux potes. Valheim ? Ah non, Conan. Ah oui, c'était bien ça, Conan, le truc. Oui. Il dit t'es pas capable de prendre la grosse bite, donc évidemment, je l'ai prise. pardon, la grosse. Voilà. Oh, pardon. J'ai dit bite, c'est la monnaie, vous savez, de Twitch. Ouais. Ouais, simplement. Simplement, évidemment. Ah non, je parle pas de cyberpunk. Hein. Pour l'énorme tab, il y avait vraiment un jeu comme ça, survie, où c'était ça. Il me semble. Oui. J'ai pas vu dans cyberpunk du coup. Ah oui, c'est vrai que toi, du coup. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu parles de cyberpunk, t'as stream des one, ok. Mais oui, c'est vrai que tu m'avais raconté ça. Il avait fait un perso avec un énorme zob. Le truc, c'est que ça buguait et du coup, son zob passait à travers les pantalons et tout. En cyberpunk. Du coup, bah... du coup, bah dommage, hein. Le truc, c'est trop drôle. Après, tu vois jamais ton perso à troisième personne, donc... Ah, tu t'en rendais peut-être compte quand même. Tu peux peut-être le voir en baissant les yeux, comme ça. Bon, là, je trouve plus de serre, là. Oh, trop mignon, ce petit coin, là. Et vous... ici, c'est bien pour des vacances. Ah, mais c'est là où il y a le boss. Le cerf. Oui, je suis juste en train de voir que le premier... t'as pas précisé le côté du premier coffre en rentrant, donc... Les besoins primaires dans les jeux vidéo, ça peut être marrant, Kirito, mais à petite dose, sinon ça fait les Sims et ça saoule tout le monde. En vrai, hein. Merde. Et toi, et m'arranger avec le toit qui est mal branlé, parce qu'évidemment, il n'y a pas toutes les tuiles que je veux. Oh, tous les sangliers là, qu'il y a ici. Il y en a que 4 sortes. Ouais, c'est pas évident. Dis donc, oh, j'ai plus de vie. Oulala, attendez, j'allais manger un truc. Il va me taper. Ouh, le combat contre le sanglier. Je l'ai eu avant. 3 PV. Ok, je mange. Ça va mieux. Bon bah on continue la chasse. Faut que je ramasse quand même. Ouais, j'ai que des bouts de cuir, mais j'imagine que les bouts de cuir on peut les transformer en vrai cuir. Non. Ah. Bah c'est chiant, ces sangliers donnent que des bouts de cuir. Bah c'est pas grave, il faut que tu pourras avoir du vrai cuir. C'est... Faut que je quoi? Tu tues des cerfs. Oui, sauf que bah faut les croiser. Là j'y peux rien, les sangliers j'en croise vraiment, là j'ai croisé un groupe de 5. Oh mais je veux si je peux, hein. Hop. Ah là-bas, regardez, on le voit. On a un peu plus que l'armure après...
T'as une hache pour te défendre, une hache en silex ou quelque chose comme ça, peut-être que tu... Ouais. Mais j'ai mes points aussi. C'est bon, il y a les points. Y'a les points. Quand tu attaques par surprise, par exemple, au bâton, ton attaque est multipliée par 3. Si t'as un petit couteau en silex, ton attaque est multipliée par 6. Ah, j'ai pas un couteau par contre. Mais les dégâts du bâton, c'est 12 de base, tu vois, en tranchant. Alors que les silex, c'est que 5, donc tu te bats pas au couteau. C'est juste pour surprendre. Ouais. L'arme de l'assassin, quoi. Dab. Voilà, il faut jouer très discret, donc du coup, prends pas de couteau. Je suis discrète ? Oui. Quand j'arrive, ils sont déjà morts. Ils savent pas que je suis là. Ah mince, mais je tape l'arbre en fait, je tape pas le mob. Ah voilà, ça c'est bien ça. Voilà. 4 arbres en un coup, c'est bien ça. Non. Non. Voilà. Ah y'a trop de tempêtes, j'entends pas les... J'entends pas les mobs. Parce que du coup, les cerfs, je les entends. Mais on... Enfin bref, je saurais pas faire, mais ça fait un bruit. Ah oui, c'est... Ah, dans sa course, je l'ai eu dans sa course à l'arc. C'est exceptionnel. Incroyable. Ah merci quand même. J'entendais pas beaucoup d'enthousiasme. Le bruit est trop fort là, des effets, je vais baisser encore. C'est chiant, bruit de la pluie. Je vous entends même plus. Yes, certains vous aimez, toujours. Bah là, c'est une tempête. Que j'aurais fait une petite boucle là, on voit sur ma carte en haut à droite, c'est une petite boucle. J'explore mais doucettement. Ah, j'entends là-bas, j'entends le cerf. Un peu un bruit de... Je sais pas, un bruit de chacal un peu. Le cerf. Non mais je sais pas comment ils... Ils font un bruit. Ouais voilà. Et du coup on dirait des aboiements. Et du coup c'est comme ça que je les repère. Oh merde. Voilà, avec le bruit je les entends pas et... J'arrive pas à les surprendre. Le one shot, ouais, mais quand j'arrive à les repérer, on peut espérer faire des trucs. Mais là, avec la tempête, je n'arrive plus à rien repérer. Et les sangliers, ils s'enfuient pas, alors c'est facile à repérer. Moi je veux des cerfs. En plus les sangliers sont souvent à plusieurs. Il fait froid. Bah c'est sûrement à cause de la tempête. Oh, je suis tendu là. J'ai looté ? Oui j'ai looté. Oh là là ! En plus j'ai
tu fais? Il fait nuit là. C'est juste la tempête qui est très 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 vénère. Il fait nuit. Il fait nuit. Ok. Où je rentre? C'est où la carte? Ah mais je suis allé par là, je pense que c'était par là moi. Bon on y va. J'arrive. Je laisse avancer un peu, je reviens de tout à l'heure. Ça marche. Ça marche, ça marche. Moi quand on sera équipé, on pourra tenter des trucs. On avance hein. Bah oui, on avance bien là. On a un farmer, un constructeur et une chasseuse. Bien. En vrai. C'est ce qu'il faut au début, je pense. Puisque farmer, on dirait plutôt raseur. Raseur de forêt. Et la gueule. Soit artistique. Mais oh putain, un moment quoi, please. Arrête, mais. Oh, j'ai plus. Ah oui, non, mon arc il est. Oh, je suis dégoûté, j'ai vu un cerf sur la route, mais mon arc il est mort. Je l'arrête pas. Peut-être moyen que là, le cerf se calme et je puisse le shoot. Enfin, le. L'avoir dans le dos. Yo. J'ai vu un cerf? Oui, il y en avait un qui était pas loin d'ici. Ouais. Celui-là même, ouais. Tout à fait, ouais. Oh, il est là. Est-ce qu'il s'est calmé? Il semble pas très calme. Je vois plus. Si, je vois. Je l'aperçois là dans la brume. Il est calmé. Attendez, attendez, il y a un moyen. Attendez, on va l'avoir. Tac. Alors tes croisillons, ils sont très jolis, Royal, mais par contre, le seul problème, c'est que ça laisse passer l'eau. Donc le feu, il fait rien du tout. C'est normal que ça fait rien du tout. C'est en haut que je passe la chemise. On va faire comme dans The Forest, tout à fait. C'est que ça descend d'en haut. Y a pas de ça marche pas le billet sur la Razer, comment le téléphone pliable de Motorola? De quoi? J'ai pas compris ta question, Cash. Razer, comment le téléphone pliable de Motorola? T'as dû oublier un mot. Leroy. Non, il a pas fait, il reste un PV. Non, j'ai plus d'arc. Attendez, je vais continuer à le poursuivre. Et doucement, doucement, de loin. Roy Tint, c'est ça? Je fais quoi de beau? Il nous faut des pots. Alors je chope du cerf. Le sanguin ne m'intéresse pas des masses. Je m'étais donné comme défi de tous les avoir à main nue. J'y arrivais hein, mais c'était pas très, très productif à force. L'arc c'est mieux, mais là mon arc est cassé. Mais je voudrais juste avoir ce cerf avant qu'on aille se coucher. Donc la tempête passe, la nuit aussi, et putain il m'a vu. Ah je vois rien. Les sangliers mon pookie. Les sangliers mon pookie. Je l'ai eu. Cassez-vous. J'ai eu ou pas? J'ai eu le loot? J'ai eu le loot. Arrêtez! Bon j'arrive. Yes. Ah oh, je suis pas dans le dessus. Laisse-moi. Comme téléphone pliable de Motorola. Ouais d'accord Cash mais tu dis juste ça comme bout de phrase, comme téléphone pliable de Motorola? Je sais pas, il me manque un contexte là, je t'avoue. Pas tout compris. Non mais... Eh oh!
Ça va là? T'es bon? On a fini de me suivre là? Vraiment? Oh! Oh là là! On saoulait! Alors. Ça manque de torches ici, dis donc! Il fait froid! Ah, ça va aller mieux! Ah, je vais un peu mieux, j'ai cramé! J'avais moins froid! Comment ça il fait froid? Mais non! Il nous faut des torches. Non, ouais. Ouais. Moi, je crois que ouais. C'est de la résine, du bois. Faut les mettre à l'extérieur. Et voilà. Voilà. Faudrait des champottes aussi. J'en ai pas trouvé beaucoup, beaucoup. C'est quoi le but du jeu? Alors c'est un jeu de survie où il y a une petite trame principale. Et en gros le but ça va être de terrasser un certain nombre de boss, les invoquer et de les tuer. Du coup de plus en plus compliqué à... ce sera de plus en plus compliqué de les invoquer et de les tuer. Et à chaque fois qu'on fera ça, et ben on avancera un petit peu dans l'histoire et ça débloquera des nouveaux crafts, des nouvelles possibilités, de nouveaux matériaux à travailler. Et sinon c'est un jeu de survie assez sandbox. Sandbox, un bac à sable quoi. Et du coup, ça reprend un peu tout le principe des jeux de survie classiques. On doit faire attention à sa faim. Alors, on peut pas mourir de faim. Parce qu'en fait, dans le jeu, basiquement, on n'est pas vraiment mortel déjà. Mais ça menuise notre endurance et notre survie quand on ne mange pas. Il faut avoir différents types de nourriture, comme vous pouvez le voir à côté de ma barre de vie en rouge, pour pouvoir avoir les bonus d'endurance adéquats. Et faut faire aussi attention à la température, évidemment, aux mobs, etc. Parce que bah là, je chasse, donc vous croisez surtout des cerfs et des sangliers. Mais il y a beaucoup de mobs différents, et dont des sortes de créatures un peu humanoïdes, chelous, qui elles sont agressives et dont il faut faire attention. Et après, il y a d'exploration et plein de biomes différents. Il y a aussi l'exploration à faire à la mer, au niveau de la mer, avec bateaux, radeaux, tout ça, mais ça sera pour plus tard. Et en gros, c'est dans un univers viking, avec les divinités qu'on connaît, Odin, tout ça. En gros, pour le petit résumé, est-ce qu'on fait dodo? Parce que là, il fait très nuit, c'est chiant. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que ça vous va? Ouais. Allez. Ok. Je vais faire une roulade. Avant de faire... Attention. Oula. Une fois que vous avez fini de faire dodo. Roulade. Oula. Roulade. Oh, une je suis fois que vous avez fini de faire dodo, vous... Voilà. À prendre votre lit. Ouais. Enfin, je vais prendre les lits et je vais les foutre là-bas. J'ai presque là, je suis presque là. Cours. Je peux pas, j'ai plus d'endurance. Tu as dit Q6. Cours, je te dis. J'ai dit Q6 moi? Ah, je dis plein de lettres et de chiffres, mais là, ça, je me rappelle pas. Ah, ah, vous cassez tout. Allez, venez, venez. Ouais, je vais. Venez prendre votre lit. Oui. Et regardez ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. L'arbre d'Yggdrasil. J'ai une personne qui rase la forêt. Moi, ça me fait penser à Motorola Razr, le téléphone pliable. Ah ouais, okay. Ah ouais, non, bah, c'est vraiment pas une rêve qu'on aura. Enfin, déjà, Razr, c'est une marque en soi. Gaming, donc j'aurais plus même pensé à ça. Et je connais pas le téléphone Razr de Motorola. Je savais pas que Motorola continuait, j'avoue. Allez, j'ai un danger qui est 47. Autant avec ma pizza, mais sans ananas. Oui. Comment tu vas faire pour manger? Je pense. Ouais. Chut, on dit pas, hein. Non, on dit pas. Hein. Ouais, je prends un lit, moi. C'est bon, je m'en vais. Non, elle va se barrer. Elle a pris le bois, elle va se barrer. Ah, j'ai pris le bois! Mais je parle à mon chat! Elle est capable de donner le bois. Vous voulez que je le mette dans un coffre? Non, j'ai le. Mette-le par terre. Tiens, j'ai ça aussi. Attends, j'ai ça aussi. Hop. Ça, je m'en fous. Et je vais déposer du coup les cuirs. Oui, à côté de la cheminée. Donc là et là. Merci pour tes explications, avec plaisir.
Bon, je découvre le jeu, donc il y a plein de questions. Il y a que un méchant à l'entrée de la maison, il y a un méchant à l'entrée de la maison. Au secours, oh, au sixième, secours. Le sixième, le sixième, le terrasse. Au secours. Qu'est-ce que tu fais, mon pote là? Poursuis mon pote. Non. Tout ça parce que je suis en train de raser son habitat naturel, franchement. Ils savent pas quel combat mener, ceux-là. Ils savent pas quel combat mener. Tiens, je vais tuer à l'arc pendant qu'il fuit dans ce dos là. J'ai raté. T'attends dans le dos, je l'entends d'ici, quoi. Tiens! C'est bon, j'ai tué le petit sixième. Ah non, c'était pris un bout de bois. Bon, je t'en ai pris un. Bah. Ouais, mais c'est un stack de 50 que t'as pris en fait. Oui. Faut que tu le mettes dans le. Tiens. Mets-le dans. Non, ça dans va être dans toi là. Ok, c'est un coffre aussi. Non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai un trophée de nain gris. Mais pourquoi j'ai pas équipé mes fringues là? Qu'est-ce qui se passe? Mes flèches du coup elles sont... Ah j'en ai plus que 8, il faut que j'en refasse. Ok, tu prends le stack de 50, voilà. Merci. Qu'est-ce que je peux me faire d'autre? Alors... Flèche en bois. Je fais des flèches normales. Je fais celle en silex, le silex c'est pour l'instant assez précieux. Je les ai pas de toute façon je crois. Voilà. Ah si, flèche en silex mais je peux pas les faire. Donc j'avoue que j'ai pas cherché à les faire. On a pas beaucoup de silex. Ah, faudrait que j'en ramène alors peut-être aussi quand je pars en explo. Y'a que ça. Ok, ok, pas hésiter à me dire. Pas hésiter à me dire. Silex, j'ai un cerf en facile. J'ai un cerf en face de oh, moi. Oh putain, il est où? Attends, est-ce que je peux te le ping? Allez, il est où? Il est là-bas. Coucou, Soum Soum. Vous allez où avec vos lits? Bah, c'est que. Attends, j'explique après. Je vais au cerf. Oh oui, je le vois, je le vois. Où je le vois. Moi je le chasse au tronc d'arbre, je fais tomber des troncs d'arbre. J'ai joué ça, le tronc d'arbre, ça c'est bien, ça c'est... Bon, c'est chaud quand t'es dans une plaine, mais sinon c'est bien. Ah, c'est le problème. Tu l'envoies à la main quoi. du coup on a déplacé nos lits parce que ça va être notre maison. Pour le moment, en tout cas définitive très probablement. Qu'on agrandira peut-être si besoin, mais voilà. Et ça, en fait, c'est une sorte de ruine, on va dire, les maisons un petit peu cassées qu'on peut croiser un peu partout dans le monde. Et ça nous a servi de maison de départ, c'était déjà comme ça quand on est arrivé. Et on a juste foutu dedans de quoi se faire cuire de la bouffe, une table de craft, des lits et un coffre. Histoire d'avoir juste le petit kit de départ. Comme ça, bah, on allait dormir tant que la maison n'était pas prête et tout ça. Et maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a une belle maison bien stylax faite par Well, regardez avec les petits... comment on pourrait appeler ça? Les poutres comme ça en forme de X partout et tout, c'est très joli. De quoi? C'est pas fini, d'accord, mais c'est déjà classe. C'est pas que je dis quoi, laisse-moi dire des mots. C'est pas fini, hein. Attendez, est-ce que j'ai de la viande, c'est très bien. Oh mais attendez, je vous ai pas redonné de la viande parce que j'en ai plein sur moi. Ouah, c'est beau, t'as vu un peu, hein? Tu l'as fait. Je la fais cuire, est-ce que vous l'oublierez? Vas-y. C'est bon? Oui, je l'oublierai exprès pour avoir du charbon. Ah! Bah, j'ai du charbon, je le dépose. Ouais, vas-y. Tout ça n'importe. T'es sûr? J'ai récolté du bois, tiens, sans faire exprès encore. Fous ça n'importe où, passe pas trop près de ça là, sinon tu vas récolter le tout. Attends, je te donne ça. Et je dépose la viande aussi en même temps dans ce même coffre, comme ça vous avez de la viande. Et... Ouais, bon ça... Bon, je dépose un peu des trucs. Ok, c'est bon. Il est sorti par la bite, celui-là. Allez, je repars à la chasse, moi. Tout à l'heure, le poteau. C'est bien. Par contre, les menus sont moches. Ah bah, les menus sont un peu simplistes, j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne. Mais même les graphismes, ils ont un côté assez simpliste aussi. Mais comme je disais, comme j'arrête pas de dire, c'est gestion des reflets et de la lumière qui fait pas mal le job pour ce côté. Attends, un petit peu... Mets-le là. Un petit peu classe du jeu. Merci du coup. Merci Nash pour le follow. Bienvenue. Il y a un système de classe dans le jeu? Non, il y a un système par contre de pexing.
Pour ceux qui ont joué au jeu, à la Morrowind Oblivion, je pense que t'as plus ça dans Skyrim. Non. Ouais. C'est-à-dire que, donc les anciens Elder Scrolls, c'est-à-dire qu'en faisant une action, vous allez pex. En étant discret, vous allez, en marchant souvent discrétion, vous allez augmenter votre discrétion. En utilisant des arcs, vous augmenterez votre maîtrise de l'arc, etc. Et du coup, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Le truc, c'est que quand on meurt, en plus de devoir aller chercher son inventaire, on va aussi perdre un peu une partie de notre pexing, pas tout. Et apparemment, ça va, c'est pas trop punitif, sauf quand on arrive vers la fin, mais on va perdre un pourcentage, en fait. Je pense. De ce que j'ai cru comprendre. Et du coup... Ça peut un peu niquer votre progression, j'imagine. Quand on est dans une zone assez galère. Parce que là, on est dans le biome de départ. Parce qu'il faut qu'on ait les matériaux de base, faut qu'on pexe, faut qu'on ait une maison, faut qu'on ait plein de choses. Mais y a plein de biomes. En tout cas, il y en a plusieurs. Je sais pas combien il y en a, mais je sais qu'il y en a pas mal. Et là, on est dans le plus facile. Mais les suivants, ça va être une autre mayonnaise. J'aime la mayo. C'est un peu Tomb Raider avec Minecraft. Ouais, genre carrément quoi. Tomb Raider, t'enlèves tout ce qui est tombe et tout ce qui est raider. Minecraft, t'enlèves tout ce qui est mine. Et voilà. Bah. Je suis un peu comme Trackmania. Ouais, franchement, il y a du... Ouais, plus. Ouais, pareil. Est-ce que par contre, on peut voir, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, est-ce qu'on peut voir notre pexing? Vous avez ce petit corbeau là, qu'on voit de temps en temps? C'est le tuto, il vous expliquera des trucs, ce truc ce que moi je trouve qu'il t'explique les choses pas trop au bon moment, mais bon. Et là, ah voilà, c'est ici. Là, c'est mes compétences. Tabulation. Donc voilà, j'ai augmenté le sans armes. Je suis à 12 en sans armes, donc c'est pas mal. Bizarrement. J'ai autant de sans armes que bâton et j'ai beaucoup moins d'arc. parce que je me battais beaucoup à main nue. Mais voilà, là c'est votre pexing. Discrétion 0. Discrétion 400. J'ai 13 en discrétion. Non mais qu'est-ce que c'est? Main nue, ouais, j'ai 12, ce qui est pas mal. Par rapport à ma moyenne. Et du coup, ici, on aura les trophées que j'ai eu. Donc pour le moment, j'ai chopé les nains gris, c'est là les mobs agressifs qu'on voit de temps en temps. Différents stades de nains gris. On a les tout petits bébous qui sont dans la prairie, là où on est. Et après, quand on va dans d'autres builds, ils sont un peu plus forts, un peu plus gros, un peu plus balèzes. Et du coup, trophée sanglier de cerf, parce que je chasse ça, mais il y a plein de trophées à avoir. Et notamment ceux des boss. Et après, les crafts. Et les crafts, c'est sur la table de craft pour l'essentiel. Un peu comme GTA, ouais, voilà. Eh ben, moi, j'ai 37 en coupage de bois. Ça m'étonne pas trop, tu vois. Et en même temps, bravo. Parce que ça veut dire que t'as beaucoup fait ça. Oh, des champignons. Bon, faut que je me concentre pour voir un petit peu. Ah oui, si, ça y est, je me rappelle comment j'avais eu ma tunique. C'est que j'avais fouillé un coffre dans une petite maison. Oui. C'était ça. C'est l'un des moyens, effectivement. Juste un petit coffre posé là, tranquille. Ah, j'entends des mobs. Ok, bon, les cerfs là. Mais ça, c'est encore des nains gris, ça. Je m'en fous de ça, moi. Je veux les cerfs là. On va attendre l'oreille. Hein. Faire gaffe. Je vais vous faire un peu aussi. La gueule de ton perso pour voir les graphismes. Ah ouais, non, niveau du. Le perso, c'est. Ouais. On va dire qu'un bonhomme bâton serait presque plus complexe, quoi. Mais c'est bon. Pas gentil pour les bonhommes bâtons. Mais bon, perso, je m'en fous un peu. Moi, c'est vraiment les décors. Et ça va, les décors sont plutôt sympas. Ça passe, en vrai. Ça passe. On va dire que ça fait la job. Là, hein. Ça fait la job. Là où il y a marqué bois. Là où il y a marqué bois, faut mettre du bois. De la résine.
Oh, le petit filou. Ben, du coup, ça complique la tâche. Ouais, mon Dieu. C'est comme si tu vas dans un restaurant qui s'appelle Taj Mahal et on te sert des tacos. Et tout servi avec du vin français. C'est sans doute déjà... Des tacos au curry. Oh, punaise, là, du monde, là. Ah, il me faut de l'endu. On va attendre un peu. Le problème, c'est que dès que j'en aurai tué un cerf, les autres repartiront. Putain de dinguerie de ces morts. T'en as pas marre de me faire chier, toi? Oui, voilà, il y avait trois cerfs devant moi. Mais évidemment, il m'a attaqué. Je dis sans charisme. Quoi? Oh, mais c'est chiant! Je ramasse mes champis tranquille, je chasse et puis je me fais taper. Bon, là il y a un gros cerf là. Je pense que là c'est pas mal. Je savais que c'était pas mal. Oh, j'ai raté. Non mais, change d'arme, change d'arme, j'en supplie. J'arrivais pas à changer d'arme. J'ai vu que je voyais rien à cause des feuillages là. Pour rengainer son arme pour aller. Non, pas du tout. Pas du tout ça que je voulais faire. Alors, po. Oh merde hein. Là je tue un Manu. Ah, le cerf. Il fuit encore? Ou il court juste parce qu'il aime faire de l'exercice? Oh, j'en peux plus, monsieur, encore! Est-ce que vous allez arrêter de me suivre partout? Oh, j'ai jamais d'endu! Oh, ça me saoule, comment on augmente l'endu là? J'en peux plus. C'est en faisant de la bouffe particulière, tu peux augmenter ta jauge d'endu. C'est-à-dire que. Plus tu bouffes des plats élaborés, de la viande, des conneries comme ça, plus ta jauge d'endu pourra augmenter. Il faut que tu aies trois sortes de trucs différents. Ça va être pair, certaines bouffes seront spé endu, d'autres spé vitalité, etc., etc. C'est comme ça que tu dois gérer le bouffin. On garde. J'ai l'impression que dans la forêt noire, il y a plus de cerfs. C'est possible ou pas ? Il n'y en a pas plus normalement, mais ça se peut que t'en vois. Oh les... Elle est dinguerie, hein, sup hein ! Ils sont toujours en groupe de 4 ou 3. Oh là là! Mais si, parce que je chasse noire, moi! Et du coup, ils font fuir tout! Dans la forêt noire, c'est dur! Hein. Mais j'y peux rien, c'est là qu'il y a des trucs! Dans la forêt noire, les dingueries, c'est vraiment. Voilà, plus 15 de vie étendue. C'est bien. Un sanglier, tu vois, tout. Je tue comme ça, celui-là! Dommage collatéral! Dommage collatéral de ma colère! Dommage collatéral! Là, je suis toujours dans la forêt. Je sais pas, peut-être. C'est sympa quand même. Ah, désolé, j'avais pas vu ton message, Grisou. T'es très en forme ce soir. Pas beaucoup envie de parler. Des bisous, petit Grisou. J'espère que ça va aller.
Et repose-toi bien. Profite de ta soirée chill. Et je me casse ici. Des bisous. Salut Lix. Ok, il y a des... Alors, il y a des trucs un peu vénères, je crois, des fois, dans la forêt noire, genre. Il est grand, il est bleu. Ah, voilà. Il y avait un truc grand. Il y a des trucs avec des yeux bleus. Comment ça, il y a des trucs bleus, il a plein d'étoiles. Bah, il y avait... Là, j'ai fui, là. Là, j'ai fui, là. Le, faire, hein. Le grand truc bleu, tu le pètes pas, encore. Ah ouais, non, mais surtout qu'ils sont 1000 autour de lui. C'est-à-dire qu'en plus, il est pas solo, quoi. Genre, le gars... Quoi, genre le gars c'est un mec de 3ème, ça y est il sent plus quoi. Le gars il va bientôt avoir l'âge de son BSR, ça y est le mec a un gang. Attention il est dangereux. La team piéton ouais. Bon. J'ai cru voir un truc. C'était un buisson, c'est ok. Je vais retourner par là-bas tiens. Là on n'est pas en forêt noire là. Ils me suivent très longtemps hein. Est-ce qu'on a des gros greux, des petits trucs au pif Oui, des grenades. Ouais, ouais, des champignons hallucinogènes. Je sais pas. Ouais, il y a des. Du gaz moutarde. Des smokes. Voilà, c'est ça. Vous êtes sûr? Non, non. C'est bien. Toi, tu te mêles pas, toi. Et ils me poursuivent longtemps quand même, hein. Et puis, je sais pas vraiment où vous êtes. Alors, du coup, j'essaye de. Je peux pas mettre ma carte, c'est un peu risqué. Erreur ? J'ai une certaine maison. Erreur ? Mais ouais, mais... Le truc, c'est que moi, j'ai mis le point, mais il apparaît pas sur ma minimap. Faut que je fasse... Ah, et le sanglier qui s'y met ! Oh, c'est beau, là ! J'ai une manif derrière, déjà, merde ! Je suis pour rien pour vos traites, les gars, j'habite en Belgique. Là, il y a une maison. Mais c'est pas notre maison. Oh hey, putain, elle s'est dit. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, je m'en fous, je me l'ai fait. Je m'en fous, je me l'ai fait. Alors là. Alors toi, le sanglier déjà. Hop. Ensuite, on recule. Hop là. On va. Vous savez quoi? Je vais me foutre là. Ils vont pas pouvoir monter. Ils peuvent monter. Ok, je m'en vais. Non, arrêtez, oh! Il me faut de l'endu. Je vais me toucher un? Je vais me toucher un ou pas? Je sais pas, ils sont emmêlés entre eux. Arrête-toi! Oh là là, il va vite! Mais je n'arrive pas. Oh mais je me fais caillasser! Ils sont lapidaires. Ah oui hein. Et bon, me revoilà. Après un petit reset de la box. Ah d'accord. Je me dis pourquoi j'ai un message dans le chat. Oui, j'ai ma box qui a décidé de redémarrer. Kayassi, t'es une gueuse, mais ouais, mais que se passe-t-il là? Merci beaucoup, Bloody! Ah! Trop bien! Merci! Merci beaucoup pour le resub! 22e mois! Bientôt! Bientôt les deux ans! Merci! Bientôt l'anniversaire sub, me reçu beaucoup, gros soutien, merci. J'espère que ça va. Ah moi je... Gros contenu là. C'est bientôt plus dark tellement je galère à les faire eux. Oh celui-là, je m'en fous, je fais comme ça. Seb, c'est pas de te faire chier ici, un super coffre merdier. Non, bah là j'ai rangé le bois.
Il manque le coffre pour les graines de plantes. Ouais, non, mais mets dans merdier. Ah, oh, bah non, depuis, attendez, je vois rien, mais j'ai ça. Mets dans merdier. Il ne s'arrête pas, hein. Il me suit vraiment jusqu'au bout du monde. Around the world. J'ai traversé la map avec eux. Vous pourrez m'aider, s'il vous plaît? Ou tu arrives à la maison? Ouais, quasi. Bah vas-y. Ah, ils me lâchent enfin? Non, ils font le tour. Ah, ils m'ont pas lâché. J'en ai tué plusieurs, mais il m'en reste encore eux. Et il y a le gros. J'ai plus beaucoup de vie, mais je peux pas faire pause pour bouffer. Enfin, je peux pas m'arrêter du tout depuis tout à l'heure. Alors rien que le fait de... que l'agro soit un peu prise par quelqu'un, ça me permet au moins de me retourner. Ok, je mange. Tac, tac. J'arrive. Il se bat. Je suis tendu. Il se barre les bras en avant. C'est insupportable. Ah là, tu te barres là, connard. Tu m'as suivi sur tout bout de la map, hein. L'autre, il se barre plus loin. Du coup, Seb, il avait pas pu le finir, les yeux. Ah, bleus. Il est parti. Merde. Ouais, non, il se barre, il a plus de vie, là. Il se barre. Oh, quel connard. Attends, j'ai mon arc. Mais bon, attends, je vais pas le voir. Oh putain, c'est un 2 étoiles, en fait. C'est un 2 étoiles, bah, tu m'étonnes que tu galères. Non, mais c'est surtout qu'ils étaient vraiment 6 autour de lui. Pourquoi plus ils se les arbres. J'ai pas assez d'endu, je vais pas pouvoir lui courir très longtemps après. Ah, c'était dur. Ah, il a des... Il a des pop. Il a des pop. Ah non. Non, il a... Non, il y a des petits freeze. Il y a eu un freeze. Arrive, ouais. Il est plus loin. Ah, je viens avec vous, je viens avec vous. C'est Lox la meilleure. Bon, essayez de le tuer, parce que moi j'ai zéro de... Merci. Vas-y, gangbang. Ouais, on le défonce là. Ah, tu fais pas le malin, en plus il crame là. Alors... Quand vous appuyez sur R, ça range automatiquement vos armes. Nice! GG! Au lieu de courir pas vite, vous appuyez sur R, ça range les armes et vous courez plus vite. Ah, je savais pas! Ah ouais! Ça évite de mourir! Oh la vache! Ah putain, mais c'est une info trop précieuse de fond! Et R, du coup, ça te permet de dégainer en même temps quand t'auras épée plus bouclier, par exemple, ça dégaine les deux. Ouais! Oh l'info de fou! J'avais trop d'arbres, j'étais stressé, j'étais perdu. Ouais, je comprends. Bon. Faut tout casser. Oui. On arrive dans la maison, on va pouvoir faire dodo. Et comme quoi, hein, ils m'ont vraiment suivi très longtemps, parce que même là, l'agro a lâché seulement parce qu'il y avait plus de vie. Allez, on fait dodo. J'arrive, je suis pas là. Normalement, on est en confort 5. À la fin du dodo, on va être en forme avec le confort 5. Plus le confort augmente, bon nucage, des bisous. Votre bonus en forme va loin. Partout. Dans le temps. C'est parce que tu nous as mis une couette en vraie plume, c'est pour ça? Oui, c'est parce qu'il y a... Non mais c'est à peu près ça. Le groupe des témoins de Jéhovah. C'est qu'il y a une ah ouais. Petite peau, il y a un tricot de peau. Il y a une petite peau de serre sur le sol. Là. La petite là, peau. Ah ouais, je suis à 76 en vie et tout, ah c'est bien. Et ben hop. Et ben je pense que je vais arrêter la VOD ici. Je vais peut-être attendre qu'on avance un petit peu avant d'en refaire une. Mais du coup voilà, c'est la découverte de Valheim. Et j'en relancerai une quand on fera des trucs un peu plus un peu différents, qu'on fera peut-être le premier boss et tout pour d'avoir un peu avancé. Mais trop marrant en tout cas pour le moment. Du coup les bisous, VOD.